Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 6 de Kirby et le monde oublié. Et je commence au village. J'ai amélioré ma coiffe, c'était donc la tenue explorateur. J'avais trouvé le parchemin et donc j'ai demandé au maître d'armurerie de me l'augmenter. Donc voilà, on a désormais deux pistolets et la charge de 1 est plus puissante et le viseur est plus important. Donc ça va être beaucoup plus simple pour les petites phases où on aura des cibles à toucher. Et on commence, avant de retourner dans le nouveau monde qu'on a débloqué dans la précédente vidéo, c'était l'espèce de fête foraine là. On va acheter des gâchapons parce que j'ai pas mal d'argent, donc on va se faire plaisir. Nouveau, donc les bois de lit en cage, très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de double hein, pour l'instant. Ah, j'ai parlé trop vite, celui-là je l'ai eu. Ah ouais, donc voilà, donc quand on a un double, ça met pas en haut, ça met pas de nouveau. Donc les doubles ça commence, donc on peut avoir des doubles. Au moins j'ai la réponse à ma question. Une enseigne, très bien. Et la tortue, je crois que je l'avais déjà. Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même, non, stop, on arrête. Non, 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 non. Il est marrant, il regarde la... Il regarde le... La comment ? Le distributeur comme si on allait continuer. Non, non, ça suffit. Ah, donc, le... Ça, c'est genre la cage de fin de niveau. En or. Ça, c'est quand il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est quoi qu'on a eu ? Ah oui, donc c'est lui qu'on a eu en double. Donc, ça se met pas en haut. On peut pas, genre, les revendre. Ah si, x2. Est-ce que, genre, on peut les vendre quelque part ? Peut-être qu'on pourra, genre, peut-être échanger avec les amis Switch. Et... Ah non, donc non, c'est pas la même tortue. On avait eu la mini tortue et là on a la plus grosse. Très bien. Et j'ai remarqué qu'il y a des étoiles en bas. Des figurines, donc ça correspond peut-être à la rareté. Il y avait argent. Il y a peut-être genre... Est-ce que ça c'est rare? Est-ce qu'il y a le... Non. Est-ce que Kirby... Non, à mon avis, argent c'est basique et puis après il y a or. Et bronze, ça doit être un peu plus rare, je pense. Est-ce que par exemple ça c'est rare? Non, pas du tout. Et on a eu... Non mince, on a eu l'enseigne. Donc ça s'organise... on a donc Kirby, on a tous les pouvoirs, je pense. On a les figurines où il y a les pouvoirs. Les figurines de transformation. Le cône, tout ça. Ah oui, donc on a le produit sans la transformation de Kirby et avec la transformation de Kirby. Et ensuite on a les ennemis. Les espèces de... Voilà, les panneaux, les enseignes. Donc un peu le décor des niveaux et... Peut-être voilà, les ennemis, les objets spéciaux. Y en a-t-il une que tu préfères Kirby? Bah oui. J'avoue, les ennemis, c'est stylé. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau dans le village, donc on va direct explorer le nouveau monde qu'on a débloqué. C'est un espèce de, ouais, de parc abandonné ou de cirque. Alors j'ai refait en off... Les petites missions, notamment avec Wispy Wood. Il manque juste le finir sans subir de dégâts. Je l'ai pas encore fait. Alors, ouais, c'est un parc de loisirs. Il y a tant d'attractions, j'ai hâte de les essayer. Très bien. On va faire un tour vite fait. Il y a l'air d'avoir pas mal de niveaux. Ça, ça doit être un niveau. Ça aussi, le carrousel, le petit train. Oh ! Ça a changé de... On change de... Ah! À mon avis, il va y avoir des niveaux un peu genre dans la nuit. Si c'est ça, c'est stylé. Genre, on va peut-être avoir un truc avec le carrousel de nuit. Donc ça, c'est le boss. Et donc la reine, elle va se faire dans un cirque. Ouais, c'est plus... fête foraine. Ouais, par d'attraction, fête foraine, un peu ce qu'on veut, quoi. Les manèges, comme ça, là. Genre, ça, c'est le train de la mine. C'est les montagnes russes. Et bah, très bien. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue, voilà, donc c'est le niveau d'accueil, très bien. Allez, c'est parti. Ça a l'air stylé comme, comme niveau. Il y a les files d'attente et tout, comme dans les vrais parcs. Ah oui, par contre, là, c'est un peu désertique, c'est comme à Tchernobyl, c'est le parc d'attraction abandonné, là.
Ah oui, c'est plus puissant. Hein, là. On voit tout de suite la différence quand on améliore nos compétences. Ah, un canard, je crois que c'est un ennemi. Non. Ah, il me suit. Est-ce qu'on peut te parler ou quoi? Non. Mais pardon. Ah, pas de corne. Oh, c'est une mission secondaire ou pas? Ah, j'étais sûr. Reconduire les canons. Il y en a 5. Ah, c'est stylé. Ah, ça, c'est le... Je suis sûr qu'il faut se mettre là. Ça, dans le teaser, on nous l'avait un peu... Voilà, il fallait se mettre... Oh, même pas. C'est même pas une mission. Bah, je suis déçu. Non, mais c'est bon. Je pensais que ça allait être une mission secondaire. Dans le teaser où on avait vu ce... Ce panneau là où on se met derrière avec... Ah, il y en a un là. Ça, j'aime bien les petites missions comme ça, j'aime beaucoup. Elle est où là? Ah, il y en a un derrière le truc de popcorn. Allez, suivez-moi, il y en manque un. Viens, je te ramène tes enfants, il y en manque un. Comment ça, deux? C'est une blague? Bah non, il y en a 4 là. Ah oui, je suis en train de me dire, le jeu il est buggé. J'adore l'environnement. Alors je dirais mon avis après, mais pour l'instant, je trouve que tout ce qui est level design, décor, c'est le plus travaillé pour l'instant celui-là. Entre la plage ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à un truc beaucoup plus exotique. On peut aller là ou pas? Non. Je sens que ce niveau là, il va me plaire. Ah, les manèges, on peut monter dessus ou pas? Non, ah non, oula, ah oui d'accord. C'est censé être un ennemi. Ah, moi je vois des manèges, j'ai envie de monter. Ah, oula, il y a de la boue là. Par contre, il y a un caneton là, je l'ai pas trouvé. J'aurais dû un peu plus chercher. J'espère que... Ah non, je devrais... J'hésite à aller en arrière. Ce serait bizarre qu'ils aient mis les mêmes... Enfin, tous les canetons au même endroit, ce serait bizarre quand même. On va retourner vite fait. C'est bizarre qu'il soit déjà aussi loin dans le niveau. Il n'est pas caché derrière un... Derrière là, non? Il serait pas là, non? Non. C'est le guichet pour les entrées, ça. Pour les billets. Ah, on peut pas revenir, c'est une blague. Bon, tant pis. Je pense qu'il était sans doute au début et... J'ai pas assez regardé. Et donc c'est dans ce niveau qu'on va se transformer en petit wagonnet. On l'a vu dans le teaser du jeu, ça. C'est un wagon de parc d'attraction et on avale et après on est sur une espèce de montagne russe. Mais... Oh, j'ai perdu mon pouvoir, c'est une blague. Alors, ça c'est un timer. C'est timé ça normalement, oui. Quand c'est rose, c'est timé. Allez, cours Kirby! C'est une blague. Je vais d'abord le délivrer et après je reprends mon pouvoir. Ça c'est vraiment... C'est vraiment dérangeant ça. Oh, je me suis fait écraser. Qu'on puisse pas courir dans un... Avec le personnage, c'est... Ça m'énerve. Est-ce qu'il y a pas des trucs cachés sur les... Sur les wagonnets là, qui passent? Tu peux t'aspirer toi? Non, on peut pas t'aspirer. Il y a trop de trucs à voir là. Attendez, il y a un secret? Non, il n'y a pas de secret là. Est-ce qu'il y a... Non, non! Donc là, il y avait le Waddle Dee. Ah, ça brille. Un gâchapon. Par contre, ouais, les gâchapons, j'espère qu'il y aura... il y en aura plus après, parce que j'ai peur que ce soit un petit bonus à collecter qui soit trop rapide à compléter.
Je vais me faire tuer, j'étais sûre. Ah, ça a déclenché. Il m'a poussé dans le renfoncement, ça m'a déclenché le... Par contre, il n'y a pas un truc, un passage secret là? Non. Il y a juste des renfoncements pour se protéger. Ah oui, je suis bien abîmé la vie là. Il y a deux portes. Il y a deux portes, il y a deux portes, il y a deux portes. C'est, je sais plus qui a ouvert quoi. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est d'en bas? Ah, j'ai peur de louper le truc là. J'ai loupé. Mince, c'était en bas. Moi, c'était un Waddle Dee, hein, c'est sûr et certain. Tant pis. Ah, c'est la boutique de peluche. Ah oui, de la viande. Donnez-moi de la viande parce que là, je suis un macaron. Très bien. Ah, voilà. Donc, c'est lui. C'est la transformation qu'on a vue dans le teaser. Il se transforme en manège. C'est trop stylé. Est-ce que on doit... Il y a la vitesse à l'automatique. On a juste à incliner les... Droite-gauche. On peut sauter ou pas? Non. Oh là là! Oh, la caméra, c'est bizarre. Hop, hop, hop. Bien. C'est hyper fun, la caméra, comme ça. Ah, on est dans la nuit. C'est le Space Mountain. Ah, j'ai loupé un truc. Ah, oh, j'ai loupé un truc, mince. Et on peut le refaire ou pas? On peut refaire un tour de manège. Allez, il n'y a pas de file d'attente. Ah oui, on peut refaire, très bien. Et bien, on va refaire. Alors, essayez depuis le début. Vos progrès dans la mission, c'est que les objets ne seront pas sauvegardés. D'accord, bah oui, on va essayer. Donc, le gâchapon, normalement, il s'annule. Parce que j'avais gagné un gâchapon en truc. Ah, ils font la file d'attente pour le manège. Hop, on reprend. C'était quoi là? Je sais plus ce que c'était le truc. Ah oui, c'était de la nourriture. Hop, on se concentre. On essaye de pas louper deux fois le truc. À la rigueur, je devrais me concentrer que sur les interrupteurs et pas me focus sur les pièces. Au début, oui, mais quand ça va trop vite... Je suis concentrée là. Faut que je me mette. Ouais, voilà, c'est bon. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut anticiper ou pas l'interrupteur? On peut. Donc c'était sur la droite, je crois. C'est parce que je me suis mangé un pic, je crois. C'est pour ça que je l'ai loupé. Ça m'a déconcentrée. Voilà, bah c'était celui-là, je pense. Ah, c'était à gauche, mince. Mince. C'est à gauche vers la fin. Tant pis, je recommence. On va faire ça en boucle. C'est un mini-jeu dans le niveau. Par contre, là, si je le bide encore une fois, tant pis. Bon, au moins, je sais où il est. Ils aiment bien faire ça dans les jeux, hein. Les trucs sur les rails. Pour un parc abandonné, ça va, hein. Il y a encore des... C'est marrant, ils ont pas poussé le truc à fond, ils ont pas fait genre des couleurs totalement dégradées. Enfin, détériorées. Ils auraient pu. Mais on a juste fait un petit peu le début du parc où c'était tout cassé, là. Et là, c'est pas trop dégradé, là. Ah oui, puis on ralentit quand on se prend un coup, super. Ça peut être une mission secondaire. Genre, faites le manège sans subir de dégâts. Voilà. Non, deux fois. Bon, tant pis. Je le ferai en off.
Je me déconcentre à la fin. Ah bah du coup c'est pour lui. L'interrupteur c'est pour lui. Alors, j'analyse. Est-ce qu'il n'y a pas un secret dans les... dans les pluches là, dans les mascottes? Non. Hop, on se protège. Mais... ah non, il faut monter sur le truc, je me disais, mais... on peut pas monter plus haut, Kirby. Je suis en train... non, j'allais me dire, est-ce qu'il n'y a pas une entrée secrète au niveau des... oh, t'es gros, toi. Oh oui, ça va, c'est quand même assez puissant, le tir. C'est quoi ce marteau, là? Ah oui, c'est le singe qui m'envoie le truc. Il y a un plan. Oh là, j'ai traversé le plan. C'est une blague. Comment ça, j'ai traversé le truc? Je suis passé dessous? Ah ouais. Oh, c'est mal fait, là, par contre. La texture du panneau, on n'est pas censé passer comme ça à travers. Hein. Ah, un beau chapeau. Un interrupteur. Un squelette qui nous embête. Mince. Hop. Oui. Hop. J'espère que c'est pas timé. Allez, vol. Mais, ah oui, donc même si on se prend genre la rambarde, ça nous compte une pénalité. D'accord, très bien. Deux fois. Eh mais j'ai l'impression qu'ils sont plus résistants, eux. Ils étaient plus... ça brille derrière. Allez, on dit pas non à un peu de vie. Là, y a pas... truc qui brille là, non. Les transitions c'est sympa en fait, j'avais pas capté, mais ça prend le... quand on change de zone, ça prend la couleur du monde global. Dans pleine urbaine, c'est les transitions, elles étaient en vert. Dans Estivalia, c'était bleu, et là c'est violet, la couleur dominante. Oh là là, je regrette, vraiment ça c'est un truc que je regrette, c'est l'absence de la gyroscopie dans les viseurs. Il y a quoi là? C'est pas juste pour le fun qu'il y a de la boue là. Est-ce qu'il y a un truc caché? Non. Ah, est-ce qu'on peut enlever la boue avec le lanceur? Non, ça enlève rien, ok. Nouvelle transformation. Et... ah non, on se remplit d'eau. Ah! Ah bah voilà. Ah, réponse à mes questions. Je me disais bien que la boue... n'est pas juste pour décorer. Surtout là. Parce que là, c'était vraiment... ça invitait à... comment? À ce qu'il y ait une énigme. Donc l'eau, je viens de remarquer que jeter de l'eau sur les ennemis, c'est plus puissant qu'un boulet de canon. Donc tout va bien. Oh! Ah oui, non mais moi, rien m'amuse. On arrose des plantes dans un jeu, je suis contente. C'est tout. Ah, 4 sur 8. Ah oui, on est obligé de se vider d'eau là. Alors attendez. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? C'est la suite du niveau, ça. Est-ce qu'il y avait un truc à côté de la boue? J'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a pas un genre un truc... mais... oh oui, c'est dégonflé. J'ai touché à quoi? Là, en arrière, il y avait pas de la boue? Non. Ah, on peut pas partir avec le truc, ok. Donc on peut faire Y, qui recrache tout d'un coup, et B, il recrache au... il peut se dégonfler plus doucement.
Mais il est grand ce parc d'attractions, hein, dis donc. Pardon, c'est même pas une attraction, c'est un... Là, c'est juste un monde, c'est pas le parc global. C'est une attraction, là. Mais ils sont cheatés, ces lapins, là. Et il me faut un tuyau de rodage, là. On dirait l'épreuve à Fort Boyard, ça. En dessus, en dessous. Ah oui, on a une bombe à eau. Ah, ça détruit les... Trop bien. Ça détruit les manèges. Oh là là, c'est marrant l'animation. Il a du mal à se mouvoir. Ah, les fleurs. Il m'en manque une, je crois. Et le jeu, il a du mal à compter tout d'un coup, hein, Yonk. C'est un secret, ça. Ah, dernière plante. Ah, un plan. Trop bien. Et c'est dommage qu'on puisse pas... Alors, je sais pas si... ce sera le cas ou pas au cours du jeu, mais... ça aurait été sympa de pouvoir garder les transformations dans un espèce d'inventaire et les utiliser comme on voulait, quand on veut, quoi. Genre une fois qu'on les a débloqués, les garder comme un truc secondaire, enfin une capacité permanente qu'on puisse les utiliser à notre guise. Oh, je vais pas me compliquer la vie, je vais aller chercher direct l'eau. Et on va tuer les squelettes avec la boue. Est-ce qu'il y a une... Non, il y a une... J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut devenir encore plus gros? Ah bah... Jolie cette fontaine comme ça. Ah, faut que je crache en haut. Ça va, ils sont gentils parce qu'il peut absorber pas mal d'eau quand même. Oui, la caméra, merci. C'est où là? Ah non, c'est une cinématique, j'ai cru que j'avais fait bugger le jeu. Oui, je suis là, je te libère. Donc voilà, j'ai loupé celui du manège. Et ça, c'est pour la suite, j'imagine. Ah, on est à la fin. Donc oh, ça va, j'en ai loupé... Ah non, non, non. Il y avait un truc qui brillait derrière. Au niveau du poteau électrique ou chez vous le... Non, c'est pas un poteau électrique, c'est le... les lampadaires, il y avait un truc qui brillait. Admirer le paysage du sommet de la fusée. Bah, ça devait être ça. Ça devait être genre un point de vue. Ah oui, puis j'ai pas vu le dernier canton, j'ai oublié ça. Maxi tomate, je sais plus si je l'avais. Non, je crois pas. Ah, la voiture. La voiture sans la transformation. Ça devait être ça le point de vue. Il fallait pas prendre les Waddle Dee. À fond sur le circuit. Ah, c'est Mario Kart avec Kirby. bah écoutez, on va en faire un autre. Ah oui. Ah oui, je me disais, il y a plein de niveaux, mais non. C'est vrai qu'il y a les niveaux bonus. Allez, on va faire celui-là. Donc là, ça va être, mon avis, ça va être un stage totalement avec la voiture. Il n'y a rien derrière. Allez, au revoir. Hop. Alors, avant de prendre... Il y a un chrono et tout. Ah voilà, il va y avoir un objectif de vitesse, déjà. Enfin, ça paraît très logique. Un truc de course... Ça commence. Je pensais que c'était des trucs... Alors, c'est quoi?
Oh, il y a un classement or, argent, bronze. Faut faire 25 secondes. Ben, ça promet. Moi, j'accélère rien. Donc ça, c'est clairement... voilà, ça, c'est clairement un truc Die and Retry. À mon avis, il faut pas sortir... Ah, la blague. Ah, la blague. J'allais dire, il faut pas sortir de la piste. Ouais. Voilà, j'ai déjà perdu du temps. Il faut que je pense à sauter aussi. Bah, il est rapide. Je fais combien? C'est une blague. Ah, oh, c'est une blague. Oh, donc c'est hyper simple. Parce que j'ai pris la boue et tout. Mais clairement, on va le refaire tout de suite. Hein. Je récupère juste mes lots. Et on recommence. Bah oui, parce que à mon avis, la médaille d'or, c'est un Waddle Dee. Hein. C'est sûr et certain. Allez, go. Alors. C'est deux virages et ensuite ligne droite. Ah oui, puis les ennemis, forcément, ça ralentit. Est-ce qu'on peut aller dans la pelouse? Je sais pas si ça nous disqualifie si on sort du... Si on sort du bitume. Ouais, je sais pas si c'est... Ah ouais, c'est carrément... C'est limite, c'est la rampe d'accélération, ça fait perdre du temps. Parce que j'ai pas pris la rampe cette fois-ci. Et j'ai fait 22 secondes. Alors, hop, du flan. De la thune et le Waddle Dee. Après, si c'est genre à fond sur le circuit, enfin le titre c'est à fond sur le circuit, donc à mon avis ça va être que ça. Ça va être que des mini-jeux avec la voiture, je pense. Pardon. Ah oui, c'est lui qui m'a touché, je me disais, mais qui m'a touché? Les petits renards, ils sont pas du tout agressifs. Alors, les bombes. On nous propose des bombes. On va prendre les bombes. Est-ce qu'il faut tous les tuer? Pourquoi il y a des planches comme ça là? Il y a un truc sous le... Non. Des frites, du pain. Non, non, des pièces. Alors, est-ce que c'est plus puissant le bon? Ouais, c'est quand même plus puissant les bombes hein, que j'ai débloquées. J'ai cru que c'était un bonus la bombe. Je regarde bien s'il n'y a pas des secrets. Ah! Oh là là, le bowling. Ah, super, je me suis suicidée. Je me suicide quand je lance la bombe. Super, merci. Si c'est chronométré, c'est mort. Bon, ça va. Dites-moi que c'est pour un Waddle Dee. Dites-moi que c'est pas la suite. Comment ça, ça l'a pas... Ah. Bon là, faut juste spammer. Hein. C'est hyper facile, ça. Enfin, c'est facile. C'est peut-être facile quand on a le pouvoir amélioré. Et là, c'est pour ressortir? Ah oui, lui, il nous donne si on n'a pas le... Il est là pour nous donner si on n'a pas le pouvoir. C'est 7. Oui, mais là, il n'y a pas de truc à invincibilité, donc... Je vais me la prendre, mais ça sert à rien. Là, si, bon, on va tuer les Moai. Je sais pas si ça fait un bonus quand... Toi, au revoir. Est-ce qu'il y a un secret? Non. Ah mince, il y avait des poubelles. J'ai pas regardé les poubelles. Elles durent longtemps. Ils durent longtemps ce pouvoir, dis donc.
Mais après, je suis en mode brise. Peut-être qu'en mode brise, la sucette, ça dure plus longtemps. Ah, demi-boss. Ah bah, on le connaît, toi. Ah, par contre, t'as amélioré ton épée. Donc t'es plus puissant. Le spam. En train de marteler mon contrôleur pro. Chou. Vraiment, les demi-boss, ils sont pas ouf. Hein. L'épée, non. Je garde mes bombes. Là, à mon avis, c'est un mur invisible. Ah, un parchemin, super. On a pas mal de trucs. Voilà, on peut améliorer l'épée, donc on va avoir la même épée que lui, là. Ah, on ne dit pas non à un peu de bouffe. Ah, et un guet-chapon. C'est de la déco, ça, dessus, ou c'est un truc? Non, c'est de la déco. Ah, bah la voiture. Il faut faire quoi? 50 secondes. Donc, à mon avis... Ah, une poubelle. Là, ça va être plus corsé, je pense. En plus, argent, c'est 1 minute 30. Donc, à mon avis, c'est-à-dire que... La moyenne des gens, peut-être qu'au premier tour, c'est 1 minute 30. Je suis nul à ça, je suis nul à Mario Kart. Wouah, c'est serré les dérapages là. Ouh. Ah oui, oui, j'ai oublié la boue. C'est quoi 50 secondes? J'ai peur. Ah mais il y a même pas le chrono, on voit même pas le chrono. Je viens de capter, on voit même pas le chrono quand on fait. Ah si, là, 26, 27. C'est mort. Ah, c'est mort. À mon avis, là, c'est... C'est du tryhard. Il y a trop de boue. Bah, en fait, c'est... On n'a pas des bonus de temps au cours du truc. C'est les moments où on perd le temps, c'est... les petits espèces de... Comment on fait ça? Les tourniquets, là. Ah mais oui, mais je suis bête, je peux sauter sur la boue. Oh, c'est chaud, purée, 1 minute. Et je trouvais que j'étais... je trouvais que j'allais vite, pas du tout. Super dur. Non, je trouvais que j'étais allé vachement vite. Pas du tout, en fait. Bon, bah la difficulté du niveau, elle est là, en fait. Ça, je le ferai en off. Sûr et certain, il faut connaître le circuit par cœur. Il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose derrière le. J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière les trucs là? Non, il y a rien. Non, il y a rien. Bon voilà. C'est quoi? C'était quoi? Argent? Oui, le gâchapon. J'ai eu le gâchapon. Donc le. Bah alors, c'est loin de le dire. 50 secondes, la vache, j'ai fait 50 secondes de trop. Non. J'ai pas compté, non, pas du tout. Non, j'ai fait 10 secondes de trop. Atteindre l'arrivée de la première course, c'est une blague. Faut faire 20 secondes. Oh, un scandale. Non mais c'est super chaud ça. Oh, ça va m'énerver ça. Oh, c'est le demi-boss. Ah oui, on l'avait pas, lui. Et on a débloqué quoi? Invasion. Ah, manoir hanté, trop bien. C'est sympa, ils ont vraiment fait des thèmes... eh ben, voilà, qui sont vraiment collés sur la fête foraine. Et donc là, genre l'espèce de train de la mine, là, avec les montagnes, là. Ce sera, à mon avis, soit c'est un gros niveau, soit c'est un truc... Attendez. Ça, c'était bonus. Ça va être peut-être un... Ça, j'adore la transition avec la lumière. Donc, je suis sûr que ça, c'est un... Ça, on l'a vu dans les teasers. Avec les monstres comme ça. C'est un niveau dans la nuit. Qui est comme ça, qui est très fluo. On l'a vu, ça, dans les teasers. On va juste aller au...
On va se quitter sur le village. On va aller chercher les plans qu'on a débloqués. Donc il y avait l'épée et je sais plus ce que j'ai débloqué d'autre. Oui, oui, je sais qu'on a débloqué les plans. Ah, le marteau, ok. Le marteau et l'épée, voilà. Et bah allez, go. En plus, c'est bon, j'ai assez de gemmes rares, donc on va pouvoir améliorer sans problème. Tout plein, mon gars, détends-toi, il y en a que deux. Oui, gigalame, très bien. Et le maillet, ok. Allez, c'est parti, on améliore. Ouais, ça va, il y a quand même un intérêt aussi à farmer les pièces, hein, parce que ça va vite. Je sais toujours pas si on peut, on a une seconde amélioration ou pas, ou si c'est l'évolution définitive. Et on est comme le mini-boss, avec on est en mode bûcheron là. Et on va faire le maillet. Ouais, c'est 500 à chaque fois, hein, donc ça va vite. Oui, on passe. Il était mieux en tonneau en bois, je trouve. Là, ça fait trop jouet. Il y a un truc en plastoc. Donc, on va voir la différence de la puissance. Si on concentre. Ouais, je suis pas fan, hein. J'ai l'impression que c'est pas du tout puissant. Et l'épée, on va regarder l'épée. Oui. Je veux le sélectionner, merci. Alors, normalement, l'épée, c'est quand même plus puissant. Elle est 10 fois trop grande par rapport à lui. Alors, attaque circulaire, est-ce que c'est puissant? Ah ouais, c'est vachement plus puissant que le maillet. On peut la concentrer jusqu'où? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jauge. Ah la vache, ouais. Ouais, c'est plus puissant. Et ben, on s'arrête ici. On se retrouvera pour le prochain épisode. On fera la suite de la fête foraine. Allez, on va s'acheter un petit gâchapon pour la fin. Un seul. J'espère que c'est pas un double. Ah non, on n'a pas eu une fleur. Stop. Excellent, il est vraiment mignon avec son épée. On s'arrête ici, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt pour la suite. Salut !